Alors, t'as passé un bon week-end? Ouais, cool, c'était vraiment bien. Bonjour madame, bonjour monsieur. Oh, j'ai vraiment pas envie de travailler. Oh non, franchement, aujourd'hui, je serais mieux dans mon lit. Mais c'est quoi cet accueil là? L'homme qui parle comme un lion, on est où ici hein? Vous savez, c'est qui? C'est l'ambassadeur du Gabon. Ambassadeur du Gabon. Bon, on a pas de temps là. Mais toi, comment tu me parles toi? Je vais te gifler ici tout de suite. Tu peux me donner? Tu es venu acheter une télé quand même. C'est quoi ce bordel hein? Ici, c'est la poste. On n'a pas de télé ici. Il veut quoi lui? On n'est pas en magasin. Allez, ouvre. Ça suffit. Ça fait deux fois qu'il me parle mal lui. Tu ne comprends pas? C'est écrit sur mon papier. Lis ça. Tiens, lis. Mais il n'y a pas écrit télé là. Tu sais lire? Oui, je sais lire. Excusez-moi, monsieur. C'est à moi de parler maintenant. Je suis pressé, mon monsieur. Laissez-moi parler. Pas de souci. Je veux ma télé d'abord. Après, c'est bon. Ça va aller. Je viens chercher mon billet d'avion. On n'est pas une agence de voyage ici. Il n'y a pas de billet d'avion. Si, c'est écrit agence avec un avion bleu à l'entrée. Oh, il est loin, lui. Il est perché. Mais tu es loin, toi. C'est quoi? Bon, moi, je ne veux pas discuter. Je veux ma télé d'abord. Après, on voit tout le reste. Allez, vite là, vite fait. Moi, je viens chercher mon billet d'avion. Bon sou. Ah, y'a des voix dans ma tête, elles m'ont dit de venir chercher Doliprane à la poste. Je suis venu, va me donner. Du Doliprane. Ça c'est pas bon, faut pas crier. Mais donne-moi Doliprane, j'ai mal. C'est quoi son souci celui-là? Il est plus fort que l'autre là. Bon, vas-y, faut me donner maintenant, vas-y, pas toi, circuler là. Ah, mais c'est dépêchez-vous là, c'est quoi? Vite là. Je vais chercher mon billet d'avion, donnez-moi. Je vais chercher mon billet d'avion, donnez-moi. On n'est pas fous. Bah moi je l'amène avec moi. Hein. Bah moi je l'aime bien. Bon pourquoi j'ai une question, pourquoi on a un câble là dans les mains? Aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir été recrutée ici, après ma formation. Oui, moi aussi, j'adore mon métier. Oui, surtout le contact. Bonjour, monsieur, bienvenue à moi, ce que puis-je faire pour vous? Mais, bon sou, il me porte de l'Ifrance, j'ai mal. Ah, Samba, il m'a dit, vous venez ici, je suis venu, vous me donnez. J'ai chaud, tout ça, là, vous me donnez vite. Allô, monsieur, vous faites erreur. À la poste, on ne voit pas de l'Ifrance. Non, pas de tout de suite. Juste en face, monsieur, vous avez trouvé ce qu'il vous faut. Mais Samba n'est pas menteur, il m'a dans ma tête, il me parle, donc vous pouvez me donner vite, j'ai chaud. Non, monsieur. Non, je bouge pas, je suis. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais vous montrer. C'est où? La poste. C'est juste là. La poste, c'est là-bas. Voilà, c'est bon. Ça. En tout cas, vous avez dit de me prendre. Au revoir. Bonjour, monsieur, bienvenue à la poste. Que puis-je faire pour votre service? Je viens chercher mon billet d'avion. Vous êtes trompé d'une porte, monsieur. Le numéro est juste à côté. Je ne parle pas aux femmes. Toi, là, qu'est-ce qu'elle a dit? Ma charmante collègue vous explique simplement que vous vous êtes trompé de numéro. Il faut ressortir, prendre à droite, et c'est le prochain numéro. Ou à droite. À droite. À droite. Par là, monsieur. Là. À droite. Là. À droite. Là. Par là. Là. Voilà. Là. Voilà. Là, d'accord. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Mais je vais avoir un fou sortir là, c'est quoi? Bonjour monsieur. Non, attends là, je viens, ma télé elle est où? Vite là, vite fait. Je ne comprends pas monsieur. Mais je suis ambassadeur du Gabon, hein? Il faut me donner ma télé monsieur. Puis-je voir le papier que vous avez dans la main s'il vous plaît? Ah, oui, tenez. Merci. Ah oui monsieur, je vois bien, vous venez pas acheter une télé, vous venez retirer une télé. C'est la même chose non? Oui monsieur. Puis, bon, un instant, je vérifie votre référence dans mon ordinateur. Ah, faut faire vite. Nous avons bien votre colis chez nous monsieur. Oui, et alors? Il faudrait signer juste là s'il vous plaît. Pourquoi je dois signer? Pour avoir votre colis, s'il vous plaît. Ah non, je ne signe pas. Hein. S'il vous plaît, monsieur. Non, vous êtes la CIA, non? Monsieur, s'il vous plaît. Bon, je vais signer, ça dépend. Hein. Vous allez me donner ma télé derrière après? Oui, tout à fait, mon collègue va vous la ramener. D'accord, bah, je signe alors, sans souci. Voilà, tiens, tenez, c'est bon. Merci, monsieur. Voilà, la télé, elle est où maintenant? Mon collègue vous la ramène tout de suite. Il faut ramener vite fait alors. Merci, monsieur, allez, bouge. La télé! Mais c'est lourd.
Je vais vous mettre là, ici. Monsieur. Au revoir tout le monde, au revoir. Vous avez été absolument parfait. Je suis fière de vous. Formation à l'accueil pour dompter la panthère qui est en vous. C'était le groupe numéro 99 dans Une journée pas ordinaire. Le thème qu'ils avaient choisi, leur métier, et ils viennent du CFA Stephenson. Je vous rassure, ils ne sont pas tous comme ça là-bas. Ils viennent de la ville de Paris. La mise en scène est de Sylvia Bagli. Ils sont en bac pro, chargé d'accueil, conseiller technique, serveur apprenti, réceptionniste, magasinier et conseiller clientèle. Que de métiers chez tous ces gens. Interprétés par Yougoudou, Xavier, Mohamed, Eladj, Dorian et Alexandra, que l'on peut applaudir encore très fort.